On est prêt pour ce combat par équipe. Moi, j'ai perdu mon analyste Gino Brito parce qu'il est engagé dans le combat qui est en cours. D'ailleurs, il a été la cible dès le départ de Pierre MacDoc Defevre. Je ne sais pas comment Tarzan Tyler a réussi à convaincre Pierre MacDoc Defevre à revenir dans son écurie. Il a dû y mettre le paquet. Et quand je parle de paquet, je parle de bacon, je parle d'argent. Et on sait qu'ils ont été longtemps à couteau tiré. Joe Leduc qui a fait son entrée dans l'arène pendant ce temps et qui s'en prend à Pierre MacDoc Defevre. Eh bien, résumons, Joe Leduc, engagé dans ce combat avec mon analyste que j'espère récupérer pour l'émission de la semaine prochaine, Gino Brito. Et de l'autre côté, eh bien, le gros Sutter White, flanqué de MacDoc Defevre, qui ici subit la pression à la jambe gauche, avec cette prise bien exécutée par l'homme fort de Godbout, Joe Leduc. La lutte internationale qui vous en réserve chaque semaine pour votre câble sélecteur ou pour vos antennes, parce que vous ne payez pas cher pour voir autant d'action à la lutte internationale. Des gros noms, The Road Warriors, The Samoans. Et quand je pense à ceux-là, je pense inévitablement à un affrontement impliquant les quatre lutteurs que je viens de vous mentionner. Moi, je paierais pour aller voir ça. Je ne voudrais pas commenter. Je dirais au producteur, il n'y en est pas question. Moi, je regarde le combat. J'aimerais tellement voir ça, ce serait même... Ah, il y aurait de l'action là, ça se pourrait pas. Et pendant ce temps-là, eh bien, je placote et je placote, mais le gros White est intervenu, mais sans succès, parce que Gino Brito, lui, a repris la même jambe qu'avait endolori Joe Leduc, la jambe gauche de Pierre MacDoc Defevre. À venir également la lutte internationale. Je vous ai mentionné de Road Warriors, de Samoans, il y a aussi Gorgeous Jimmy Garvin. Et n'oubliez pas de regarder qui l'accompagne. Ce sera probablement l'extra de votre soirée. Il y a aussi le fait que d'autres grandes vedettes s'amènent. Tong Kid, dont vous a parlé avec beaucoup d'emphase d'ailleurs Gino Brito, Rocky Johnson. Il y aura aussi le fameux Scott Duran dans l'arène de la lutte internationale prochainement. Rich Steiner en est un autre. Et celui-là, retenez-le, Rich Steiner. Beaucoup d'action prévu à la lutte internationale, beaucoup d'exclusivité, et vous en aurez vraiment là pour votre argent, où que vous soyez au Québec, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. De l'action à la lutte internationale, tel que ce combat présentement, avec White, pris à partie par Gino Brito. Eh bien, mon Gino, je te reparlerai quand tu reviendras, parce que ça va bien. Gino, qui lutte moins souvent, qui est devenu maintenant un expert de l'analyse de la lutte à la télévision. Un bras droit remarquable d'ailleurs pour ce genre d'émission. Oh, Joe Leduc ici qui vient avec la complicité de Gino. Gino qui n'aime pas qu'on fasse ça à son fils en particulier. Là, je peux dire ce que je veux parce qu'il m'entend pas. Et c'est exactement le genre de mouvement que Gino n'aime pas que les autres lui fassent. Et pourtant, il vient d'aider Joe Leduc à sonner. Et c'est le moins qu'on puisse dire, Pierre MacDoc Defevre. Eh bien, Leduc, je pense que sa corpulence en dit long. Mais il est avec un autre gros bonhomme, Sutter White, qui en a plein les, j'allais dire les bras, mais plein les jambes, surtout présentement. Deux hommes forts, quelque chose comme 600 livres qui s'affrontent actuellement à l'écran. Et dans les prochaines semaines, je vous rappelle que nous aurons un paquet de vedettes. Il y a un paquet de monde engagé dans la lutte internationale. Évidemment, les noms qui circulent présentement et qui font fureur de Road Warriors, évidemment, et de Samoans, pendant que Sutter White subit la médecine de Joe Leduc et que Gino Brito veut compléter le travail. Oh, coup de coude à la volée de Gino, ici bien exécuté. Eh bien, on parle d'équipe. Exemple, ce Leduc que vous voyez à l'écran, possiblement avec Ricky Martel ou encore Dino Bravo. Et on parle évidemment de Jacques et de Raymond Rougeau, tous des adversaires potentiels des Samoans ou encore des Road Warriors. Eh bien, ça va brasser dans le Québec. Et quand, il y a quelque temps, on vous parlait de terreur sur le Québec en parlant des Road Warriors, attendez de voir les bibites à poil de Samoans. Et vous verrez jusqu'à quel point il n'y a rien d'exagéré dans cela. Ce sont des arsenaux sur jambes, plein de muscles, plein de force et plein de tout ce que vous voudrez. Vous les verrez bientôt à la lutte internationale exclusive au niveau de la qualité des lutteurs engagés.
Eh bien, Joe Leduc, qui continue à faire la vie dure à son gros adversaire, là, qui est Seller White. White qui parfois se paie la traite aux dépens de ses adversaires, mais là, il y en a un de calibre devant lui, Joe Leduc. Et Gino Brito est son copain de travail présentement. Je l'ai perdu comme analyste, mais au profit de Leduc. T'as besoin de gagner, mon Leduc, parce que je t'ai prêté Brito pour au moins un combat. Seller White, toujours au tapis, maintenu par Joe Leduc. Suivez bien la publicité de la lutte internationale dans votre beau coin du Québec, où que vous soyez. Que vous soyez au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chicoutimi, Jonquière, bref, Roberval et j'en passe. Hull, Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal, Rivière-du-Loup, Bas-du-Fleuve, quelle belle région en passant. Eh bien, la lutte internationale sera dans votre coin prochainement et vous enverrez de l'action. Beaucoup d'action, comme seule la lutte internationale peut vous en offrir. Les contrats se multiplient. Moi, je suis chanceux, je n'ai pas à payer ce beau monde. Ça fait pas mal de bacon à la lutte internationale. D'ailleurs, je m'amuse toujours à taquiner le producteur en lui disant « T'es en train de te saigner à blanc pour présenter ce qu'il y a de mieux à l'écran. » C'est exactement ce qu'il fait. Seller White, Joe Leduc, en action présentement. Et Gino Brito ne peut pas absolument pas commenter ce que je dis. J'aimerais bien être capable de lui dire un mot si jamais on l'amène où je suis présentement. Je pense pas qu'il va me trouver drôle, surtout parce qu'il est en train de travailler. Joe Leduc, qui subit les foudres, un peu de punition, mais oh, Lefebvre ici qui vient de l'accueillir solidement avec coup de pied et coup de poing. Ça se multiplie à la tête de Leduc. Lefebvre n'y va pas de main morte. Et comme je vous l'ai mentionné, j'ai été surpris de revoir dans l'écurie de Tarzan Tyler, Pierre McDuck Lefebvre. Ça a dû coûter beaucoup de dollars à M. Tyler pour convaincre à nouveau Lefebvre de se ramener dans son écurie. Et là, Leduc ici, qui vraiment, elle a été sonné. Tout y passe, les ongles, les doigts. La seule chose que McDuck n'a pas fait présentement, c'est de mordre Leduc. Et là, il vient d'appeler White. Le voilà. Oh! Leduc a été sonné ici. White y a mis tout son poids, en fait, 300 quelques livres, 310, ma mémoire est fidèle. Et Lefebvre, lui, poursuit le travail à coups de genoux. Se laisse tomber lourdement sur la tête de sur le front maintenant. On sait que les lutteurs portent maintenant des genouillères. On se perfectionne, on se protège de plus en plus. Coudes et genoux, articulation fort important. D'ailleurs, pour ce genre de travail, lutteur professionnel. Si vous pensez que c'est un cadeau, eh bien essayez ça. Allez au gymnase et demandez qu'on vous enseigne la lutte pendant 2 semaines ou peut-être que vous allez retourner votre travail très rapidement au bout des 2 semaines. Joe Leduc, et là, la force de Lefebvre, mais que ça a tombé dans les reins ou quelque part. Et là, White, voyant que son copain était dans le trouble, est venu récupérer rapidement les choses laissées par Lefebvre. Eh bien, Leduc, là, qui est frappé à la tête solidement du pied par Seller White, et Gino Brito, lui, qui voudrait bien intervenir, mais il y a déjà un officiel devant lui, un autre qui regarde la scène. Avec 2 arbitres, c'est un peu plus difficile d'intervenir. Joe Leduc, qui depuis 5 minutes est la cible favorite de Seller White en particulier. Je pense que l'image se passe de commentaires. À moins que Joe Leduc ait des instincts cannibales, ce serait le temps de mordre, ce qu'il ne fait pas. Mais White, lui, ne lui fera pas de cadeau, ça c'est certain. Et là, tout y passe. Les ongles, je l'ai dit. Les coups de poing, les coups de coude, les coups de pied. En voici un autre. Et vraiment, le Leduc subit tout un mauvais parti de la part de White en particulier. Le travail avait été amorcé par Pierre Lefebvre. Compte de 2 contre... Oh, regardez la force de Leduc qui a soulevé Seller White comme si de rien n'était. Pourtant, White fait 300 livres. Encore une fois, à sa façon coutumière et vicieuse, Lefebvre, il frappe du pied et du genou. Et là, il s'adresse à Gino Brito. J'ai entendu ce que Brito vient de dire. Gino, c'est pas très gentil ce que tu viens de dire à Lefebvre. C'était pas une invitation super, en tout cas, je vous le dis. Et là, Leduc continue d'être malmené, c'est le moins que je puisse dire, par Lefebvre qui ramène Leduc dans le coin de White. White qui se paie la traite. Et comment? Les 2 arbitres maintiennent Lefebvre pendant ce temps-là. Eh bien,
C'est le White, lui, s'occupe activement de le Duc dans le coin. J'aimerais voir ce Lefebvre et ce White contre les Road Warriors, parce que je serais curieux de voir ça, pour voir s'ils auraient autant de front et autant de succès. Sur le dernier point, j'en doute. Et là, Lefebvre qui multiplie les coups de haut, le dernier coup de poing contre le Duc à portée. Le Duc qui a roulé le long du troisième câble. Projection peut-être qui se prépare de la part de... Oh, c'est plutôt White qui s'est amené dans le combat. Coup de pied solidement exécuté à l'abdomen. Et là, ici, c'est le White qui reprend le Duc à la tête. Bien, le Duc qui... Oh, qui vient de répliquer. Brito qui entre dans l'arène. Voici Gino, frais et dispo, et là, ça passe. La force italienne est en action. Et voilà, le 747 vient d'atterrir et oh, Gino qui allait payer la traite en même temps, Pierre McDoug Lefebvre, et là qui va revenir au niveau de Seller White, coup de pied. Il le relève. Seller, c'est parti. Et Blanc, le pif direct sur le troisième câble. Allez, Gino, continue. Tu dis aux autres de continuer, continue. Tu vas entendre parler de M. B. Oh. Eh bien, le Duc ici qui vient d'accueillir solidement Seller White du bout de la bottine. Trompez-vous pas, là, je parle de la bottine de Joe le Duc, pas de Tyler. Et White qui subit la pénalité que lui réservait Gino Brito, parce que le Duc, lui, est en train de récupérer. Et oh! Gino a donné ça avec beaucoup de jouissance, je l'ai vu dans son regard. Autre coup de poing. Et White vient de faire du vol plané. Ça continue. Gino Brito qui reprend Seller White, qui refuse de se relever. Coup de poing au front. Un autre. Un troisième, un quatrième. Je ne vois pas Gino. Je pense que Gino commence à trouver que ça fait mal aux jointures. On recommence. Et là, l'arbitre intervient demandant à Brito le bris, compte tenu que White est dans les câbles. Autre coup de poing servi. White qui a beaucoup de mal à récupérer parce que Brito ne lui laisse pas beaucoup de répit, sauf pour les présentes secondes. Bientôt à la lutte internationale, n'oubliez pas, de Samoans. Road Warriors. Et dans le coin, quelque part au Québec, vous les verrez en action. Vous verrez aussi nul autre que Gorgeous Jimmy Garvin. Et attendez voir qui l'accompagne. C'est loin de ressembler à tout ce que vous voyez présentement dans l'arène, croyez-moi sur parole. La White qui enfourche Gino Brito, le briserin. Brito qui a été sonné là-dessus. Compte de deux, mais le Duc intervient. Et le Duc est dans son coin pendant que White s'élance. Mais qu'est-ce qui se passe? L'arbitre qui parle à Joe le Duc. Pendant ce temps, Gino Brito est derrière White. Solide. Oh, coup de poing solide. Brito qui tombe sur White de 2 et de 3. Belle manœuvre ici, combinée de la part de Joe le Duc et Gino Brito qui remporte la victoire dans ce match par équipe à la lutte internationale.